Poufouf YouTube, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 RP, sauf que là, on n'est pas sur 5M, on est sur Rage Multiplayer, et j'ai trouvé un serveur russe, 300 slots. On est sur Twitch, j'ai réussi à rendre... Alors, je parle pas russe. Voilà, je le dis en début d'épisode, comme ça, vous attendrez pas pour rien. Donc, j'étais en train de soulever un point important, c'est que je trouvais sur les serveurs 5M, limité de 32 slots... Je trouvais que c'était dommage. Ah, je viens de le louer, je pense, pour 500. Je trouvais que c'était dommage. Parce qu'en fait, on croisait personne. Et sur Twitch, Twitch qu'on adore, merci Warzer Last Sub, Twitch m'a dit qu'il y avait un autre mode multi qui existait pour serveur privé, qui s'appelait GTA Network. Et ben, il se trouve que GTA Network... C'est fait par Rage Multiplayer, et Rage Multiplayer, c'est très connu. C'est ce qui permet d'installer des mods sur GTA V, genre LSPDFR, etc. Du coup, j'ai été dessus, j'ai pas trouvé de serveur français, mais j'ai trouvé un serveur russe, gta5star.ru. Ne téléchargez rien, c'est... Bon, j'ai mis un mail et on verra ce que ça donne. Et il était affiché... à 122 joueurs sur 300. Est-ce que vous voyez le délire? Donc je me suis dit, vu que le dernier épisode, on cherchait des gens, on voyait personne, peut-être que là... Waouh! Peut-être que là, mesdames et messieurs, je vais vous faire comprendre ce que je voulais vous dire par « C'est dommage, je vois personne. » Et si jamais on peut vraiment faire ça... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de serveur français là-dessus? On va aller voir. Hein. Pour le moment, on n'a croisé que deux joueurs. Mais déjà, vous voyez, déjà c'est beaucoup plus clean. Il n'y a pas de PNJ. Alors, il n'y a pas de PNJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qu'on va croiser, normalement, c'est des joueurs. Donc, on va voir si... Regardez, là-bas, il y a des gens. Alors, on va éviter de ne pas se faire ban. Comme c'est des Russes, j'ai pas envie qu'ils viennent chercher ma maison et qu'ils me dédossent mon PC. Waouh! Regardez! Tu peux acheter les baraques! Oh, c'est trop stylé! Mesdames et messieurs, c'est trop beau! Ah, c'est clairement trop propre. Alors, on va pas parler, hein. Je sais même pas comment on fait pour parler. Donc là, on est sur un serveur russe. Et tu peux acheter vraiment les maisons. Tout ça, c'est des joueurs. Ça, c'est des voitures de joueurs. Donc là, il y a un gang violet, je pense. Là, c'est qui? Regardez, là, il y a un joueur, là. Alors, comment va se passer ma première rencontre avec un russe? Moi, je stream dessus ce soir, les gars. Quitte à jouer sur un serveur où je croise personne, autant jouer sur un serveur où je croise des gens et je comprends pas ce qu'ils disent, non? Donc là, c'est un gang violet. Attendez, je prends ma manette. On va le chauffer un peu. John Raz. Ok, bon. Donc là, on est dans un premier truc de gang. Bien stylé, on peut acheter les maisons. Ça, c'est vraiment trop stylé. On va essayer de voir si on croise la police. Je me balade, hein. Je découvre. Ça, c'est ouf. C'est trop stylé que Rage ait fait ça. Un mode multijoueur. Et là, c'est tout con. Toutes les voitures qu'on va voir, ça va être des vrais joueurs, en fait. Ils ont viré tous les PNJ. Enfin, je trouve personnellement que ça aide un peu plus à faire du roleplaying. Alors, on va essayer de chercher les joueurs. Ceci, il y a plus de 100 joueurs comme c'est mis quand je me suis connecté. Ils sont bien quelque part. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien. Ah, regardez, là-bas, il y a une voiture, on va aller voir. Alors, la carte ressemble à... Comment dire? La carte ressemble à la carte qu'on connaît d'habitude, hein. Donc, il y a des zones de maison qu'on peut acheter. Il y a des quartiers avec des couleurs, je sais pas du tout à quoi ça correspond. On a un concessionnaire voiture, on ira voir. Je sais pas exactement où est le commissariat. Genre ça, c'était des flics. Ils roulent avec la voiture à moitié explosée. On va essayer F1.
Voilà, F1 c'est ça, donc F1 c'est Rage Multiplayer, donc ça c'est bon. F2 c'est quoi? F2 c'est rien, F3. F3 c'est rien, F4 c'est rien. F9 c'est du russe, je sais pas ce que c'est. F10 c'est le règlement du serveur en russe, je sais pas ce que c'est. Attends, si je sais... Ok, ça marche. Ok, en gros ça veut dire que... Regardez, c'est mis là. Faire slash me si vous voulez dire quelque chose. Faire slash do pour afficher l'action que vous êtes en train de faire. Faire slash try pour tenter une action. Slash biz vous permet d'acheter une maison. En fait, c'est parce que maison, c'est plus petit en russe, c'est pour ça. Slash F vous permet de mettre les mains sur la tête. Et slash eject avec l'ID du joueur. Mbanka, ça veut dire joueur en russe. Voilà. Alors, je finance ma bilinguitude en russe avec l'argent des subs. Donc, du coup, je débute. Et donc là, ça veut dire vous permet d'éjecter un joueur. Voilà. Après, si vous comprenez pas, c'est pas grave, je peux traduire. Hein, vous inquiétez pas. Je peux traduire. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors, le compteur vitesse est d'en bas à droite. Au milieu de l'écran, en dessous, là. Là, ça veut dire... bienvenue sur notre serveur, amusez-vous. Il est 20h29, donc le serveur a une heure de plus parce qu'il est en Russie, forcément. Et on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, ça fait beaucoup plus vide et stressant. Là, il y a un B. Qu'est-ce que c'est le B? Oh, Mafia Yakuza. C'est Denis Rouve qui tient ça. Et là, ça me met... S'ils viennent me parler, ça va être un délire. Donc là, Mafia, Yakuza, Burger Shoot, Owner de D-Roof, ID 4. Alors là, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. On va essayer d'entrer. Déjà, c'est un miracle que j'ai réussi à me connecter sur un serveur russe. Parce qu'en fait, il fallait s'inscrire et tout, et j'ai réussi à passer l'inscription. À mon avis, j'ai dû recevoir des spams en russe me disant « Félicitations, vous venez de vous inscrire sur notre serveur russe ». Qui c'est qui parle russe, mesdames et messieurs? Ah, il y a un gars, il s'est fait ban pour non-RP. Comme quoi, même en Russie, il y a du non-RP. Donc, le scooter, il m'a coûté 500, je crois, la location. Non, je veux monter dessus, par contre, s'il te plaît. Je vais le conduire. Attendez. J'ai pas eu le temps de traduire le message qui s'est mis, sinon je vous l'aurais traduit. Vous avez loué ce véhicule pour 10 minutes, maintenant vous pouvez plus le louer. C'est ça que ça dit. Attendez. Attendez. On va essayer de... Ah, c'est pas possible. Ah, il veut plus. Chier. J'aurais jamais dû descendre de ce véhicule. Ah, c'est bon. Voilà. En fait, je me suis trompé sur la traduction. Je suis désolé. Là, on va essayer de voir... Ah, si. On va aller au magasin de voitures. Oh, il y a un magasin de moto, là. Vas-y, on va aller voir. Oh, là, il y a un gang. On va aller voir ce qu'ils font. Ah. À mon avis, il y a une fusillade, je pense. Et tout le monde est mort, vous voyez ce que je veux dire. Yo, Romain. Romain Kirisov. Merci, Roro, ça fait plaisir. Bienvenue. Deux mois de resub, c'est beau. Oh, regardez l'hélico. Je pense qu'on ferait mieux de se barrer, à mon avis. Oh, d'accord, c'était un braquage. Non. 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 Prends une voiture et casse-toi. Non. Non. Attends, on prend la voiture de police, on se barre. Non. Non. Je sais pas ce qu'il veut faire. Je sais pas comment on fait pour monter à la première place d'une voiture. G. Non, c'est pas ça. Non. Non. Arrêtez. Laissez-moi. Laissez-moi. Je suis innocent. Messieurs.
Je sais même pas comment on fait pour parler sur un serveur russe. Voilà. C'était la fin de race super sur un serveur russe RP. Si on doit finir au commissariat. Je sais pas ce qu'on doit faire, s'écrire en russe, je comprends pas le russe. Et M, c'est quoi? Je sens qu'on va finir en... sur la bonne liste. C'est horrible. Aïe. Comment... Je sais pas du tout ce que c'est ça. Bon, bah nous voilà menottés sur un serveur russe. Bah comme ça c'est fait. Eh non mais incroyable, j'ai rien fait. Qui veut être mon avocat? Boum. Oui, ça sent... Malheureusement je pense que ça sent le ban. Pour la raison. Ne parle pas russe. Il est vrai. Cela dit, il y a eu plus d'interactions sur ce serveur où je ne parle pas russe que sur les serveurs où j'ai été cet après-midi. Hein. Mesdames et messieurs. Oh, c'est trop... Regardez, je le suis et tout. C'est ouf. Mais les scripts sont dingues. Le menottage, t'as vraiment la main derrière. C'est... Voilà, là, on a une vraie interaction roleplay. Vous voyez? C'est que des vrais joueurs. Les flics sont arrivés sur le braquage. C'était trop stylé. Les gangs sont repartis quand les flics sont arrivés, etc. C'est trop cool. C'est trop stylé. Voilà. Il y a eu un peu plus de... Alors, je crois que Bully veut me parler. Not like this, some pouf pouf ça, sent pas bon pour toi, le rôle. J'ai hâte de me faire... J'ai hâte de me faire bannir, je pense. Je crois que nous venons d'être éjectés du serveur pour non RP nick. Ah, parce que j'avais pas... Oh, c'est beau. J'étais éjecté du serveur. Ouais, j'étais éjecté du serveur. Je peux plus bouger. Pour la raison... Non RP. Parce que je m'appelle Azerty Azerty. Parce que comme je ne parle pas russe... Bah j'ai mis Azerty Azerty, je savais pas ce que je tapais. Et je me suis dit, si on doit me le redemander, je remettrai Azerty Azerty. Mais écoutez, c'est plutôt sympa. Petite vidéo rapide qui vous a montré un petit peu à quoi ça pouvait bien ressembler un serveur roleplaying. Alors c'est un serveur où il y a 100 joueurs dessus. Je vais vous montrer ça. Ah ouais, c'est vrai, je m'appelle Azerty Azerty. C'est vrai que mon nom prénom n'est pas si incroyable. Ouais, je suis complètement bloqué, faut que je me déco. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer le serveur sur lequel je me suis co. Mesdames et messieurs, je me suis connecté sur un serveur roleplay GTA V. Sur un serveur... Attendez, je peux pas vous montrer mon bureau parce que disons que... Voilà, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer... Je me suis connecté sur le serveur GTA V RP qui s'appelle serveur 5 Star Roleplay Server 1, 142 joueurs sur 300, 76 de ping. Voilà, si vous êtes admin serveur, pourquoi vous ne faites pas des serveurs là-dessus? C'est la question que je me pose. Peut-être que c'est très compliqué. Peut-être que c'est pas connu. Dans ce cas-là, j'espère que cette vidéo rendra ce mode connu. Parce que très clairement, moi, faire du GTA 5 RP, ok. Sur un 32 slots, ok. Mais je croise personne. Alors que là, sur un 142 slots, mais vous imaginez le bordel. Il y a des grosses communautés sur GTA 5 RP qui payent des machines, des serveurs, des dédiés. Bah, limite, essayer d'en faire tourner un dessus, peut-être, tu vois. Moi, je fais déjà un Arma 3, un G-Mode, hein. Chacun son tour. Mais très clairement, pour les gars qui ont des serveurs GTA 5 RP et qui disent « Fais chier, 32 slots, c'est pas assez », là, il y a 142 joueurs sur 300. Là, tu ramènes tous tes streamers sur ton serveur, hein. Tout le monde, hein. T'as tout le monde sur ton serveur, hein. Tu fais un serveur 300 slots GTA 5 RP, t'as tout le monde sur ton serveur. Voilà, je vous le dis. Tu peux même mettre un VIP pour te connecter. Tu fais ce que tu veux, t'es riche. Tu es milliardaire. Voilà l'idée. Donc, c'était le petit message. Et là, il y en a un autre. Alors, lui, par contre, il y a un ping de bâtard, 999 ping. On va pas réussir à se connecter. On peut se tenter un autre serveur, si vous voulez. Mais vite, fait genre 2 minutes, histoire de voir un petit peu ce que donne un autre chose. Là, on a un serveur allemand en close alpha. À mon avis, on pourra pas se close alpha. Ça veut dire close alpha. Là, alors, attendez, on va essayer de chercher...
Et le launcher est en français en plus, hein. Regardez, paramètres, French, enfin c'est... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, roleplay, là on a un serveur allemand roleplay. Alors, mon... Là on a un serveur 86 slots sur 200. Mesdames et messieurs, je me connecte. Je me connecte devant vous, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Boum, bienvenue, abonnez-vous, likez mes vidéos. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous, je me cause sur le 200 slots. Et sérieusement, faut faire ça, hein. C'est ouf. Hein. Non, j'ai pas trouvé de serveur français. C'est que du russe, de l'allemand et de l'anglais. Donc peut-être qu'il y a un truc avec les... Je sais pas. C'est la question que je me pose. Parce que très clairement, un 200 slot, j'en stream tous les jours. Hein. Je vais tous les jours dessus. Hein. Ouais, close alpha, c'est close. Ouais, je sais, merci Charlie. T'as pas une carte à faire sur Arma si mes souvenirs sont bons, toi. Yo Matt, mais close alpha, c'est histoire de vous dire, il y a même des serveurs en close alpha, c'est-à-dire que Ubisoft, il vient derrière faire les trucs et tout. Bon, on va aller voir si on peut se co sur le serveur. Alors, on va voir si ça marche, hein. J'avais déjà essayé de me co sur un serveur, ça n'avait pas marché. Dans tous les cas, si je peux vous donner un conseil, si vous aimez bien le roleplay, que vous êtes un peu curieux, testez ce mode. Je mettrai le lien en description, parce que des serveurs à plus de 100 joueurs, pour faire du roleplay sur GTA... Sans PNJ, c'est le feu. Regardez, je viens de me connecter. Ça télécharge des paquets. Il y en a 176 à télécharger. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, regardez. Vous allez tout comprendre. Bon alors, c'est enfenêtré, hein. Faut pas m'en vouloir, c'est Rockstar. Donc ça télécharge des paquets, ça télécharge des paquets, ça télécharge des paquets. Et après, connexion sur le serveur, si tout va bien. Je vous montre en direct, comme ça, voilà, vous voyez, il n'y a pas de lapin qui est planqué dans le chapeau du magicien. Boum, boum, boum. Allemand, c'est plus facile à parler. Je préfère les serveurs anglais. Je pense que mon niveau en anglais est suffisant pour un léger roleplay anglais. Exemple. Hello, my name is David. I'm... journalist, reporter for the TV show. And I don't have... A mission. On est connecté tout Eclipse Respect. Eclipse RP, excusez-moi. Alors, voyons voir. Oh ! Des petites icônes. Attendez. On va se remettre en plein écran, ce sera plus joli, je pense. Alors, pourquoi c'est flou comme ça, par contre ? Alors, bon. C'est un peu flou. Je ne sais pas pourquoi. Alors, voyons voir. On est où ? On est ici. Là, c'est quoi, ça ? Burton. Centre de Vinwood. Attendez, pourquoi c'est... C'est peut-être dans les options du jeu, je pense. Alors, je sais pas du tout si c'est ça ou pas ça. Hein. Comment ça se fait que ce soit aussi aussi le futur ? On va rallonger. Bon, c'est pas grave. Ça restera flou, mesdames et messieurs. Eh ben, écoutez, on a réussi à se connecter. Alors, c'est un peu flou, je vais pas vous mentir. Ça pique un peu sur les yeux. Mais je pense que si jamais j'arrive à trouver un serveur français... Avec beaucoup de monde, ça peut être un délire à aller jouer, quoi. Forcément, je connais pas les touches. Bon. Ça pique un peu les yeux. Donc, à mon avis, j'ai dû bugger un truc. On cherchera ça plus tard. Dans tous les cas, fin d'épisode. Je viens de vous montrer qu'il existait une alternative à 5M. N'hésitez pas à vous renseigner, à checker. Oh, on peut faire du cannabis et tout là-dessus. Ça a l'air assez sympa. Et surtout, il n'y a pas de PNJ. Donc, quand t'as un petit policier sur un serveur 32 slots et que t'as 1000 PNJ, bah c'est galère. Alors que si t'es un policier et que t'as pas de PNJ, tous ceux que tu vois, tu sais que c'est des joueurs. Et le roleplay, ça se fait pas trop avec des PNJ. Donc du coup, voilà. Je pense que... Ah, t'as fait, peut-être ce soir, on retournera là-dessus. Bref, pour cet épisode, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté un petit truc. Ah, je suis blessé, c'est pour ça que je vois flou. Ah oui, en effet, t'as raison.
Comment... Ah, sinon, on peut essayer de mourir. Merde. Attendez, comment on fait pour mourir, déjà? Oh, attendez. Presse E tout entrée. Ah, c'est parce que j'ai ma vie qui... Ah, c'est quand je cours. Ok. Alors, on entend les flics au loin. Attendez, on va essayer de mourir. On va voir ce qui se passe quand on meurt. Voilà ce qui se passe quand on meurt, mesdames et messieurs. Allez! Ah, c'est pas possible, il veut pas... Je crois qu'on ne veut pas mourir. Donc on restera comme ça en vie. Ah, c'est quand je suis passé de plein écran à... Ouais, c'est possible. Bon, écoutez, on est complètement bourré, j'ai l'impression. Ah, c'est bien. Bon, pendant qu'on commate sur le trottoir, ne buvez pas trop d'alcool. La drogue, jamais seule, c'est un conseil. Et on se retrouvera du coup... Ouais, on est complètement bourré. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Likez cette vidéo, abonnez-vous, c'est un super. Je m'intéresse un petit peu à GTA 5 RP. Tremblez. Bisous, chouchou. Bisous. Fairtrex est en ligne. Coucou Fairtrex. Et merci à Romain Drogo, last sub. Salut à tous.